chance for you to be happy. Well, give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes. Matin, on est vendredi, il est 8h. On a déjeuné tranquillos. Là, les enfants écoutent un petit passe-partout avant de s'attaquer à des activités de table. Ils aiment tellement ça que moi avec. C'est le fun que quand c'est paisible dans la maison puis tout le monde est concentré à faire quelque chose. Donc, update nuit. Je suis vraiment contente et fière de vous parler de ça. Vous le savez comment que ça me stresse. Pas ça me stressait, mais que j'osais pas trop en parler parce que vu qu'on rebroussait chemin, tu sais, dans le sens que on le couchait dans son lit, puis là, finalement, ah non, on va le mettre dans notre lit, ah non, dans ton lit, ah non, en tout cas. Mais finalement, hein, j'ai bien fait de m'écouter. Dites-vous que votre instinct de membre, c'est toujours le meilleur. On dirait que de la façon qu'il pleure, ou peu importe, je le sais quand il a besoin de nous, ou quand juste il pleure pour pleurer, puis qu'il veut du lait, puis que juste du lait, il va être correct, puis en tout cas, bref. Fait que la nuit passée, on l'a couché, il a fait sa première nuit, je vous l'avais dit, au complet. Et là, cette nuit, il s'est réveillé à... Ouais, il s'est réveillé à... Une heure? À une heure. Fait que là, j'ai dit, ok, là, j'y vais, il faut qu'il fasse sa nuit au complet dans son lit. Puis là, puis on dirait que je chantais, on dirait que c'était pas un pleur, parce qu'avant, dans les débuts qu'on le couchait dans son lit, c'était un pleur genre « Oh mon Dieu, je suis où? Je connais pas la place, nanana! » Puis dans le livre de, dans ma Bible, dans le livre de Mélanie Bledo, elle expliquait que justement, c'est normal dans les débuts, parce que, tu sais, de commencer graduellement, justement, parce que c'est comme un endroit inconnu pour lui, là. Il se réveille en plein milieu de la nuit, il sait même pas c'est quoi sa bassinette. Fait que, tu sais, j'allais le rassurer, puis je le ramenais en haut, puis c'était bien correct selon ce qu'elle disait dans son livre. Puis là, on dirait qu'il s'est réveillé, mais pas genre en panique, parce que là, je regardais sur la caméra. By the way, j'adore ma nouvelle caméra, je vous la montrerai si je pense aujourd'hui. C'est la Motorola Lux Connect 65 avec deux caméras, en tout cas. Je vous montrerai ça, là, je l'aime pas, la qualité de l'image est vraiment haute. Puis c'est ça, là, j'ai regardé quand il s'est réveillé, puis il est pas comme d'habitude, genre... Il s'est juste levé, puis là, il chignait un peu. Puis tu voyais qu'il voulait, genre, du lait. Fait que je me suis réveillée, j'ai donné du lait avant, mettons. On retourne dans le temps. Si je donnais du lait, j'étais prête de le déposer dans sa bassinette. Puis tu sais, puis tout. Puis là, j'ai dit, ah, je vais le bercer un peu. T'sais, fait que là, je l'ai bercé un peu. Il s'est endormi. Je l'ai mis dans son lit. Il a ouvert ses yeux. Fait que là, j'étais comme, non, OK. Soit je le reprends, ou soit que je lui laisse une chance, tu sais, à être dans son lit. Puis, finalement, j'ai fait... comme j'ai fait à Zoé. Là, ça, c'est une technique que mon amie Diane de psycho-éducatrice, elle m'avait donnée parce que Zoé, elle a fait du cododo avec nous jusqu'à 2 ans. Fait que quand on a coupé ça, c'était pas facile, mon ami. Fait puis c'est une technique que tout le monde, j'exagère à peine, que plein de mamans m'ont dit hier, pas hier, mais dans les derniers jours quand je parlais du dodo à Axel sur Instagram, justement, que c'était une technique que, oh, tu as essayé cette technique-là, puis il me l'explique, puis c'est exactement la technique que... qui avait fonctionné avec Zoé. Fait que je vous l'ai dit, si jamais ça peut vous aider, je suis pas une professionnelle, comme vous savez, je vous dis ça sous toute réserve, mais moi, ça marche, ben, ça marche à tout coup. Ça allait full bien marcher avec Zoé, puis là, ça marche avec Axel. Fait que, puis là, on n'a pas eu besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, attention, mon minou. Fait
Fait que dans le fond, là, ça consiste à s'éloigner de plus en plus de l'enfant. Fait qu'exemple, là, au début, Max dormait dans la bassinette avec Axel, puis là, jusqu'à temps qu'il s'endorme. Ensuite, mettons, la journée d'après, il était en dehors de sa bassinette, mais une main pour le toucher, et ainsi de suite. Tu recules comme ça, la sécurité de l'enfant, comme, OK, mon parent est là, puis plus tu t'éloignes, plus il est correct. Puis une de mes amies, elle était dans le corps de porte pendant, genre, 4 jours, mais... Après une semaine, t'en parles plus, c'est fini, c'est réglé, genre. Fait que c'est vraiment, en tout cas, si vous voulez plus de détails, consultez une psychoéducatrice. Moi, c'est le truc que ça a vraiment fonctionné. Fait qu'hier, Max est comme endormi à Axel. Quand il s'est réveillé en plein milieu de la nuit, je l'ai bercé, je l'ai mis dans son lit, il s'est réveillé, il s'est couché. Puis là, je suis pas été dans la bassinette comme on faisait avant. Je suis juste sortie, puis je tapais les fesses. Là, j'enlevais, je reculais. Là, tu vois, vous voyez qu'il me cherchait, je retapais les fesses. En tout cas, puis ça allait super bien fonctionner. Ce matin, il s'est levé, hein? 6h45, même pas, je pense 7h. Puis il hurlait pas, là, genre, il savait il était où. Ok, les filles. Chicane de filles. Fait que là-dessus, mon petit, c'est rendu, je fais des gros talks le matin, j'espère que vous trouvez pas ça long. Avec tête à tête, en chine de café. Fait qu'aujourd'hui, deuxième journée de pluie consécutive. Donc, ménage, activité, montage de vlog, ça va ressembler à ça. Fait que je vais regarder qu'est-ce qu'on fait avec les girls là. Non, les enfants dorment de moins en moins longtemps, c'est pas normal. Puis, comme vous savez, ferme la porte. Ton frère va te sauver. Ferme la porte. Ici. Comme vous savez, je comprends pas pourquoi là, ils dormaient vraiment longtemps les autres jours. Je suis le plus beau collier du monde! Aïe, aïe. Non, vous pouvez même pas savoir. Je sais pas si j'en avais parlé, mais Evie et Café les Joies se sont mis ensemble pour me faire genre le plus beau cadeau du monde, qui est de. Machine à café, genre, tu sais, quand je dis deux, c'est. C'est vrai que je démonte ça, puis je vous montre ça après, vous allez capoter. Regardez-moi ça! Je sais, vous l'avez sûrement vu 150 fois sur Instagram, mais. Genre, j'arrêterai pas de vous la montrer. C'est genre le plus beau cadeau ever que j'ai jamais eu de ma vie. Alors voilà, c'est la Lyrica de Psycho. Je capote! Même Eléa est excitée. Non, on peut pas. Regarde-la à travers la fenêtre, là. Allô? Regardez-moi ça! Fait qu'on va la setter ensemble, gang. Puis là, ça a donné ça de bordel. Ha, ha, ha! Fait qu'il va falloir que je clean ça, parce que là, vous vous souvenez, il y avait comme ça ici. Fait que là, je suis en train de voir qu'est-ce qui rentre où, là. On manque tellement de rangement ici, là. Les filles arrêtent pas de se chicaner. Fait que là, on a tout fait ce qu'il disait dans le manuscrit.
Fait que là, je vais essayer de me faire un là-dedans. Fait que première étape, il me disait de prendre un bol. Je sais pas si ça mousse, par exemple, avec du lait d'avoine. Non, je vais prendre... Ben oui, ça doit être un mousseur à lait. Mais je vais prendre du lait normal pour... Hey, c'est vraiment le bordel. Ça fait pas de la mousse, ça fait comme un latte sans mousse. J'ai pas de mousse. Non. Fait que faut que je garde mon mousseur à lait. C'est la grosse mousse, là. Ça fait comme la Nespresso à mes parents. On va tester ça ensemble. Tu en mets beaucoup, moi, là? Ça se compartit. Non, j'ai pas mis de graines de café. Ça prend des graines de café. Graines de café. Beaucoup? Comment il en faut? Hein? Comment il en faut? On va regarder. C'est une ligne. Évidemment, j'ai le café Ligeois. Là-dedans, j'imagine? C'est sûr? Direct, là, il n'y avait arrière, pas de filtre. En arrière, non, non. Demain. Ouh! Vraiment, c'est bon, ça. Oui, le verset que le café en grain dans le réservoir. Le café moulu solide pour endommager la machine. Afin d'éviter la contamination de pompe. OK. Le ensuite. Ensuite, si le réservoir d'eau n'est pas en place, vérifie. Normal. Normal. Bon. Fait que là, vous avez manqué l'étape de mettre de l'eau. Puis là, on essaie de setter la machine. On va tout vivre ça ensemble. Check. Quoi? Il y avait pas un fil qui venait avec? Pour ton truc à eau, excuse. Dans ta minute, là. Donc là, il fallait faire 3 fois café pour nettoyer. Bon, en tout cas, pour nettoyer. Pour starter la machine. J'avais placé mon lait, puis j'ai sélectionné un macchiato. J'ai plus de caramel, fait que ça va être un macchiato sans caramel. C'était débile. J'étais trop impressionnée pour vous filmer ça. Dans le fond, là, le lait, genre, il tombe directement comme moussé dedans. Fait que j'ai mis 2 jets de vanille, puis le reste, ça s'est tout fait toute seule, là. Fait que, hein, oh, je vais goûter ça avec vous de ce pas. Je suis énervée. Je suis excitée. Max essaie de gérer parce que notre Internet ne marche pas. C'est pas pratique quand j'ai besoin d'Internet. Oh my God! Bon. Ben, t'aimes ça des macchiatos? Non, non. C'est bon? Je pense que j'ai mis des jets de vanille. Ok, t'as mis un jet de vanille? Fait que pour faire un macchiato, là, si vous savez pas, c'est le lait moussé avant. L'expresso, puis 2 jets de vanille. C'est débile. Puis d'habitude, je mets le caramel Ligeois, mais comme je vous disais cette semaine, j'ai été une parmi les pas chanceuses, mais je leur envoyais un courriel s'ils pouvaient m'envoyer en express une autre commande que j'aurais faite. Fait que sans supposer m'envoyer ça. Ils m'ont envoyé ça aujourd'hui pour le recevoir lundi. Ah, oh, c'est trop bon! C'est trop, trop bon. Je suis trop contente. Je suis pas énervée. Le gros luxe en ce vendredi soir. Du spaghetti. Sauce maison. Ouais, sauce maison. Pâte maison, non? Pas encore, Max? Ah, faut que j'achète la machine. Qui va on l'a. Non, c'est ça qui va prendre le KitchenAid. Il vlog. Yeah, yeah, yeah. Dis bye bye. Bye bye aux amis. Bye bye. Hey, attendez. On a fait le setup, mais vous allez. Voyons, vous l'avez probablement vu sur Instagram, mais demain, de toute façon, on va passer la journée dehors. Fait qu'on va tout vous montrer ça. En détail. Pourquoi tu me regardes croche de même? Dis bye bye, vos amis. Dis bye bye. Parce que là, il est 6h30. Moi, je vais aller dans la douche. Puis après ça, je vais ramasser la maison. Puis on va coucher les enfants. Tu as dit bye bye?